Bienvenue sur Rock Moderne avec un super unboxing qui vaut son pesant d'or, comme on dit. On va l'ouvrir sans plus attendre, sans plus tarder. Alors, c'est la fameuse box des Rolling Stones, groupe anglais bien connu avec Mick Jagger comme chanteur. Je ne vais pas vous expliquer toute l'histoire du groupe avec... voyez, une pochette lenticulaire fabuleuse, donc pour le 40e anniversaire de la sortie en 1981 de l'album que je vous avais déjà présenté en originaux, Tattoo You. Voilà, donc on va l'ouvrir sans plus tarder. Ça, c'est la pochette. Il y a deux pochettes en fait d'album, celle-ci et celle-là. Voilà. Alors, par. Pour commencer, je vais essayer ici. Moi, je sais pas si j'arriverai à conserver le blister. Hop. Je ne sais point. On va voir tout ça. Voilà déjà. C'est assez résistant quand même. C'est assez bien emballé. Bon, on verra après. On va voir si j'arrive à le sauver. Voilà. Bon, déjà, je vais l'enlever. Je ne sais pas si je vais récupérer après. On verra. Il y a un petit sticker. Si j'arrive à, oui, si j'arrive à le récupérer, comme ça, bon, on le sauve. Vous voyez, bon, je fais comme ceci. Ah, ça fait... Ça en fait bondir certains, mais j'ai vu qu'ils disparaissaient au fil des années, ces stickers. Donc là, c'est mieux de les voilà, de les recoller dessus. Alors donc, alors là, je vous remontre bien là. Ah super, hein, très très belle box. Bon, il n'y a rien sur le profil hein, de la box, mais bon, c'est sorti pour le 40e anniversaire, évidemment. Et on va voir ce qu'il y a dedans. Alors déjà, ça se présente comme ceci. Voilà, la pochette est, de l'album initial, qui, outre Start Me Up, contenait le single Waiting on a Friend. Voilà. Alors ça, je pense que c'est l'album. Alors... Il a été réédité cet album, mais là il s'agit d'une réédition donc, mais en gatefold. C'est ça qui est super bien, avec deux types de pochettes. Parce que je sais que il y a une pochette de ce type. Donc là ils ont rassemblé les deux pochettes et on a voilà. Ça c'était la photo qu'il y avait sur le 45 tours. Et sur la sous-pochette de l'album original. Avec un très joli macaron. Alors, c'est Universal, hein, puisque ça a été expédié de chez UMG. Hein. Donc, c'est déjà sold out, malheureusement, sur le site des Rolling Stones et aussi sur les sites d'Universal. Mais il y en a encore disponible sur la Fnac. Voilà, il y a des stocks. Hein. Il y a pas mal de stock. Voilà, donc alors qu'est-ce qu'on a dessus? Je vais vous montrer les tracklists comme ça vous allez mieux comprendre. Donc vous avez sur ce disque-ci, vous avez donc donc vous avez l'album initial hein, de 81. Et puis là, vous avez donc des versions supplémentaires donc, qui s'appellent Lost and Found Rarities. Alors il faut rappeler que l'album Tattoo You avait été fait à la base avec des morceaux qui n'avaient pas été enregistrés lors des prises des deux précédents albums.
donc antérieur à 81, et notamment le précédent. Donc voilà, c'est bien ça. Alors dessus, il y a Living in the Heart of Love, Jim, Troubles Coming, Shame, 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 Drift Away, It's a Lie, Come to the Ball, Fast Talking, Slow Walking, et Start Me Up, une early version. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un double album à avoir, et je crois qu'il est en vente seul aux alentours d'une vingtaine d'euros, un petit peu plus peut-être, donc vous pouvez acquérir déjà ce, je pense, ce Gatefold que j'ai vu passer, voilà, que j'ai vu passer. Donc tout a été excellemment remasterisé par Stephen Markussen, voilà. Et c'est lui qui a remasterisé et sélectionné donc tous ces morceaux appelés Lost and Found Rarities, voilà. Alors l'album précédent à Tattoo You, c'était Emotional Rescue en 1980, je le dis pour les fans qui doivent connaître tout ça par cœur mieux que moi. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le fameux live à Wembley Stadium de 1982, alors, qui reprend les titres de l'album, évidemment, principalement, à vérifier. Et bon, c'est pas un des meilleurs albums des Rolling Stones, mais moi, pourquoi est-ce que j'ai donné priorité à cette box? C'est sentimental, parce qu'en 81, c'était vraiment l'éclosion de la New Wave. J'étais étudiant, et c'est vrai que cet album m'a marqué, des Rolling Stones, sentimentalement, émotionnellement. Ça m'a marqué, même si c'était pas le meilleur, la pochette d'abord. Et puis, c'était un petit peu un renouveau aussi, pour moi, des Rolling Stones, de façon plus moderne, plus rock moderne, dirons-nous. Alors, ce live est quand même assez volumineux, il y a trois disques. Disques, vous voyez, c'est assez super. C'est pour ça aussi que c'est très intéressant de l'avoir. Et dessus, on a pas que des titres de l'album, hein, bien sûr. On a Under My Thumb, etc. Je regarde un petit peu. Start Me Up, évidemment. Voilà. Je vais montrer les tracklists. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image, et donc on a donc les trois parties. Je vous montrerai le premier, on va voir si c'est tout pareil. Bon, c'est pas une édition colorée, mais bon, voilà. Donc comment ça se présente, c'est la bonne période pour illustrer cet album Tattoo You avec ce live au Wembley Stadium. Très beau macaron, hein. Bien travaillé. S'il y avait l'indication officielle du label, et donc le troisième, en plus on a une reprise là, j'avais oublié de vous montrer, donc on avait les tracklists vraiment, voilà, pour le volume 1, morceau du volume 1, morceau du volume 2, deuxième disque et troisième disque. Alors tout ça existe bien sûr en CD, voilà. Je regarde s'il y a découvre un petit peu avec vous tout ça. Voilà. S'il n'y a pas trop de vidéos sur YouTube là-dessus. Voilà, donc ça c'est fait. Et surtout, je dirais, et également, il y a ce super bouquin. Voilà, super bouquin, donc fabuleux. Donc, que l'on va ouvrir sans plus tarder. 200 pages. Hein. 200 pages de photos, de textes, tout ça. C'est un livre toilé. Déjà, le livre vaut presque le prix du coffret. Peut-être la moitié du prix du coffret, déjà.
Voilà, ça vaut bien une cinquantaine d'euros ce genre de bouquin. Voilà, donc comment ça se montre. Puis ça a l'air très 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 bien fait. Alors, on m'avait dit que c'était, j'avais dit que c'était lenticulaire book, en fait non. Donc là, il n'y a rien de lenticulaire, il n'y a pas de. Enfin, dis donc. Tout en anglais, évidemment. Bon, on va pas montrer les 200 pages parce que là, sinon, on va pas en finir. Des superbes photos. Voilà. Jagger, évidemment, toujours plein d'énergie. Voilà. Moi maintenant, mais. Donc, il a démarré, j'ai regardé la discographie, alors, dès 1960, hein, au moment où je suis né, quoi, ils ont démarré, alors évidemment, ils sont quand même nettement plus vieux que moi. Voilà, donc, et photos du live. Moi, je peux pas tout vous montrer, parce que là, c'est fantastique. J'espère que ce sont les bonnes photos qu'ils ont mises. Parce que faut se méfier des fois de faux amis. C'est quand même très expressif tout ça. Les fans vont se régaler. En 40e anniversaire déjà. Voilà. Bon, on a pas mal de photos du live. Je vais voir si on n'a pas des enregistrements studio. Pas trop. On a surtout des photos live. Voilà, comme ça. Alors, on en est à 12 minutes. Je peux vous en montrer encore plus. Ça va. Bon, après, il n'y a plus rien. Et on a même le mixage avec la. C'est pas la shitlist, je crois. Sheet tracklist, vous avez donc les pistes. Donc ça a été enregistré en 16, bon, il y a marqué 24, hein, parce que 16 ça me paraît bizarre, parce qu'en fait on avait 8 pistes, ou 12 pistes, ou 24 pistes. Et là effectivement on a donc 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, alors il y a combien de pistes là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y a bien 16 pistes. Donc ça a été enregistré en 16 pistes. Voilà. 16 pistes, 24 pistes. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, c'était soit 8 pistes, 16 pistes ou 24 pistes. Voilà. Alors vous avez. Donc ça, c'est le titre Start Me Up. Vous avez donc tous les micros. Donc vous aviez 16 micros, 16 prises de son. Qui après seront mixés selon l'ingénieur du son et la participation aussi, l'avis du groupe, selon qu'il faut mettre plus en avant tel et tel type d'instrument. Et après, évidemment, on peut remasteriser. Alors, est-ce que le remaster, c'est une rééqualisation de la bande master qui est sortie après le mixage des 16 pistes, ou est-ce que c'est un remixage? Voilà, ça, ce sera intéressant de le savoir. De le savoir, j'ai rien pu dire dessus. Bon, enfin, vous avez tout, toute une documentation sur l'année 81-82. Bon, j'ai l'impression qu'il y a eu également d'autres, voilà, d'autres lives. Voilà, en Amérique du Nord, donc il y a eu des lives en 81 et 82. Il n'y a pas eu que celui au Stadium. C'est fait fou. C'est fou tout ce qu'il y a. C'est vraiment incroyable. Je pense que ça datera. Alors, ces sold out, est-ce que ce sont des gesticulations de stock? Il va y avoir des repressages? Je ne sais pas, mais toujours est-il que si vraiment c'est sold out, je pense que les stocks d'Amazon et de la Fnac vont fondre assez rapidement. Parce que j'ai vu que quand même sur certains petits sites et sur les sites d'Universal, c'était déjà marqué sold out. Et sur le site des Rolling Stones, je répète, c'était marqué encore sold out. Est-ce que c'est provisoire? Parce que parfois, c'est fait pour
hâter les retardataires, les ventes. Voilà, alors ils mettent sold out un certain temps, ce qui fait que quand par hasard ça redevient disponible, tout le monde se précipite dessus. Voilà, bon, enfin ça c'est l'enfance de l'art et c'est ce que pratique Mondo Records et Waxwork Records aussi. Par contre, Enjoy the Ride Records a au moins l'honnêteté de mettre sa quantité en stock. Voilà. Alors, numéro 1 au Billboard 200. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Un single LP vinyle remaster. Un second vinyle de luxe with 9 bonus tracks and 5 LP vinyl box set. Voilà. Avec bon, c'est tout. Non, 124 pages, voilà. C'est pas 200, c'est 124, c'est déjà pas mal. Vraiment, c'est vraiment très 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 beau. Très très belle box. Bon, ils font tour à tour tous les albums les plus connus, ils les sortent en box, mais celui-ci, vraiment, je l'ai affectionné tout particulièrement parce que je suis loin d'avoir la discographie complète des albums des Rolling Stones, mais celui-ci, j'aimais bien. C'est un bon album. Bon, peut-être que les puristes diront que c'est pas leur meilleur, mais moi, je l'aime bien. Voilà, c'est l'essentiel. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire? L'ingénieur Chris Kimsey qui a l'idée de regrouper, à l'époque, hein, c'était l'ingénieur Chris Kimsey qui avait l'idée de regrouper une quinzaine de titres qui avaient été écartés pour les deux albums précédents, dont Emotional Rescue. Voilà, quand ils ont fait à l'époque cet album Tattoo You. Et apparemment, il y avait encore d'autres morceaux qui ont été réintégrés donc, dans la rubrique du second disque des raretés. Les Rarities. Voilà, l'album c'est cool, à plus de 4 millions d'exemplaires. Hein. Voilà ce que je pouvais vous dire sur tout ça. Alors, je suis pas un spécialiste des Rolling Stones, voilà, je suis un petit peu néophyte à la matière, mais j'aime bien. Voilà. Alors, après, à vous de voir, mais je vous conseille quand même le double album avec les raretés, l'album qui sort seul, le seul vinyle, sans le live évidemment et sans le livre. Je vous le conseille, il y a un bon rapport qualité-prix aux alentours de 20, je pense entre 20 et 25 euros ce double album. Est-ce qu'il contient vraiment les raretés? Je n'ai pas vérifié, j'ai vu que c'était un gatefold qui était sorti, mais est-ce qu'il contient également le disque des raretés à vérifier? Voilà, mais autrement, c'est quand même super, belle pochette, et qui alors n'a pas pris une ride, c'est incroyable, c'est qu'à le dire, n'a pas pris un tatouage. Voilà. Eh bien, écoutez, donc à bientôt pour d'autres vidéos sur quelques nouveautés. Bon, ça s'essouffle un petit peu, hein, parce qu'avec Halloween et tout ça. Mais bon, 18 minutes, ben, c'est pas mal. Voilà. Moi, j'ai bien apprécié aussi la vidéo d'André Meyer. D'André Meyer, je dis ce que je veux sur les disques, la situation donc, du marché du disque dans les années 90 et dans les années 2000. Mais je voulais préciser que ça, il l'a omis, il y avait Discogs à partir de 2006 a pris progressivement le relais d'une sorte de centrale d'achat, pas forcément dans sa centrale d'achat, comment dirais-je, c'était un peu comme Discogs, quoi. C'était un organisme qui s'appelait j'aime.com, donc je pense que c'était General Electronic Music, quelque chose comme ça. Et cette société américaine donc, qui a été éclipsée par Discogs et qui a disparu en 2015-2016, au fur et à mesure que Discogs a pris de l'importance, eh bien, c'était l'ancêtre de Discogs, en fait. C'est exactement la même chose. Si ce n'est que vous pouviez, ça c'était quand même assez pratique, quand vous aviez un vendeur peu scrupuleux qui vous surtaxait les frais de port ou il y avait quelque chose de louche, vous pouviez annuler la commande, ce qui n'est pas possible sur Discogs, il faut demander l'annulation. Et après, il y avait aussi une évaluation. Alors, c'est vous qui évaluez sur GEM, c'était vous qui évaluez le vendeur, alors
là aussi sur Discogs, mais disons que si vous faites annuler une commande, ils peuvent vous mettre un avis défavorable, ce qui n'était pas le cas sur Gen. Donc moi, je préférais ce système. C'était bien mieux. Il y avait un très bon choix. On vous remboursait facilement, pas forcément sans passer par PayPal. C'était Gen qui vous remboursait s'il y avait un problème. C'était beaucoup, beaucoup mieux. Et malheureusement, je suis obligé de passer par Discogs. Je déteste Discogs. C'est une pagaille dans les références. C'est fait à la va comme je te pousse, c'est celui qui met sa référence l'un après l'autre. Il n'y a pas de bonne vérification, soi-disant il y en a, mais il y a des erreurs, il n'y a pas tout loin de là. Il y a des prix phénoménaux, c'est pas contrôlé. J'ai vu un disque avec des frais de port à 11 000 euros. Bon, il n'y a rien qui est surveillé, quoi. Alors je l'ai signalé, je ne sais même pas si ça a été corrigé. Voilà, donc il faut faire attention quand même. Il y a des fois des frais de port de plusieurs centaines d'euros ou 100 euros. Il y a des choses quand même qui sont pas claires. Moi, je suis obligé de passer par Discogs parce que je veux un disque particulier qui est pas trop cher, souvent. Alors, c'est vrai qu'il y a de bons vendeurs, mais parfois, vraiment, il y a des gens peu recommandables. D'ailleurs, c'est la même chose sur eBay. Voilà, donc, tout ce qu'on pouvait dire sur le disque vinyle et cette superbe box. Bon, salut, à bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à laisser votre pouce bleu parce que je vois que ça pousse pas beaucoup. Et donc évidemment à vous abonner, à partager la vidéo, à laisser vos commentaires. Surtout là, on va avoir des fans qui vont m'apporter des tas de précisions. Ça va être vraiment intéressant. Voilà, salut, à bientôt.